Le tribunal de commerce de la Gombe, appelé à trancher ce dossier qui oppose la société Cibé Congo SARL au docteur Kitenge Kelin Marcel. Un dossier qui remonte à 2009 après la mort de l'homme d'affaires Jeannot Bemba Saolona. Selon le gérant de la société Cibé Congo, 9 ans plus tôt, la partie défendresse, le médecin chirurgien Kitenge Kelin Marcel, avait signé une convention d'exploitation de la polyclinique Cibé Congo avec Jeannot Bemba Saolona, alors président directeur général. Les avocats du demandeur soutiennent qu'après sa mort, le défendeur, le chirurgien Kitenge Kelin Marcel, n'a jamais rendu compte à la succession de la gestion de la polyclinique de Cibé Congo, ni versé les 50% des dividendes sur l'exploitation conformément aux accords signés entre parties. Les avocats de la partie demanderesse viennent au tribunal réclamer les droits de leurs clients, mais également solliciter les mesures conservatoires tendant à nommer un administrateur provisoire pour gérer la polyclinique Cibé Congo. Le tribunal accorde la parole à la partie demanderesse pour justifier sa requête. Avant même que le conseil de Cibé Congo ne s'explique, l'avocat de la défense, sans ménager son confrère, sollicite du tribunal le renvoi pour non-mise en état de la cause. La défense soutient que le demandeur n'a jamais communiqué les pièces sur la requête au sujet des mesures conservatoires. Ce qui suscite un vif débat entre parties. À cette audience, nous allons plaider sur des mesures conservatoires. Je voudrais faire remarquer au tribunal, d'abord, que la demanderesse Cibé Congo, au-delà de son assignation que nous détenons, ne nous a communiqué aucune pièce. Nous sommes étonnés de voir qu'au-delà d'une assignation, il n'y a aucune autre pièce dont la société Cibé Congo pouvait faire état pour cette mesure provisoire. C'est bien malheureux d'entendre un contradicteur dire des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité vécue à l'audience passée comme la vérité judiciaire. Il n'y a jamais eu de débat ici autour des communications de pièces. Mais dès lors que votre client, votre tribunal se rend compte que l'assignation fait état d'une abréviation de délai, d'une demande conservatoire qui doit être prévue à la première audience, et d'un dépôt de pièces dans le dossier est communiqué à la partie adverse, quoi de plus juste que d'ordonner que soit plaidée la cause. C'est depuis quand ça? Je ne vois pas la loi ou une règle de droit qui autorise ça. Nous avons pris le soin, et la partie demanderesse l'a reconnu, de conclure sur ces moyens que nous présentons. Nous l'avons, bien qu'un peu tardivement, nous l'avons communiqué à l'insignant qu'il n'a pas communiqué les pièces et il ne sera pas question pour lui de faire état de quelconque pièce ou de plaider à ce jour. Pour ce débat, le ministère public sollicite du tribunal de rejeter l'argumentaire de la partie défendresse et de la déclarer non fondée. Votre tribunal publiera l'exception de non-communication des pièces tenu par la partie défendresse, recevable mais non fondée. Quant aux mesures conservatoires, il ressort des... Le tribunal se range du côté de l'avis du ministère public et rejette l'exception soulevée par la défense. La composition invite les parties à plaider sur les mesures conservatoires. Le tribunal, après avis manifestement conforme de l'organe de la loi, estime que la cause mérite d'être plaidée sur les mesures conservatoires.
les conseils du chirurgien Kitenge Kelin Marcel, non content de cette position du tribunal, décident de retirer leur comparution. Le tribunal vient de rendre une décision sur une exception. Notre client n'est pas dans la salle. Nous serons tenus de lui en faire part. Et de ce fait, nous ne pouvons pas continuer. Merci, Monsieur le Président. Le tribunal prend acte. L'audience continue. Le conseil de la société Cibé Congo confirme leurs prétentions sur la nomination de l'administrateur provisoire de la polyclinique Cibé Congo. Les avocats de la partie demanderesse réclament un manque à gagner pendant 8 ans de gestion par la défense $1 million et postulent également pour des dommages et intérêts. Le gérant de Cibé Congo, Nzoma Mbemba, sollicite en outre que le tribunal puisse ordonner l'audit. La partie demanderesse, Cibé Congo SRL, sollicite comme mesure conservatoire devant votre tribunal, au motif qu'il y a péril à la demeure, parce que le personnel ne sont pas rémunérés. Elle vous demande donc de pouvoir nommer un administrateur provisoire qui gérerait cette polyclinique et dans ses missions, il aurait l'audit sur la gestion de ce qui tenait de 17 ans. Pour ce débat à sens unique, le ministère public sollicite du tribunal d'accorder au demandeur l'intégralité de son action. Après cette procédure, le tribunal de commerce de la Gombe clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi.